Ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Porte est. Non, c'est pas l'est, c'est la porte ouest. Porte est, y a rien. Non, ça ne donne rien. Non, la porte à droite, y a rien du tout. Ouvrir porte ouest. Non, mais on l'a déjà fait. Ouvrir porte ouest, clé, rosace. Mince, n'importe quoi. Bien joué. L'accès à cette cellule est maintenant possible. Ouest. Ah, vous êtes dans l'entrée de l'herboristerie du frère Remigio. Hey, Remigio. J'espère que je vais pas me faire caler. Je save. Atanor, on va l'appeler Herbo. Remigio. Examiner. Table. Il y a quelques mortiers et autres ustensiles dont il est difficile de déterminer l'usage. Bien sûr. Et examiner. Étagère. Seul le frère Remigio sait ce qu'ils contiennent. Et je ne suis pas ici pour prendre des cours d'herboristerie. On peut aller au nord. Je vais aller au nord, hein. Ah, un mur fait de pierres gravées et numérotées. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça correspond à rien de ce qui me reste. Examiner mur. Pas doute, le mur est solide. Mais en y regardant de plus près, on peut distinguer une petite série de symboles. Ouais, mais là, il y a un trident. Il y a un trident, le 3, là. J'ai ça, là, moi. Comme pièce. Je sais pas si vous voyez. Il y a un code, mais moi j'ai ça, j'ai que le trident. Parce que les autres, ça correspond pas. Il y a la fameuse... Alors je vous montre ce qui reste. Il y a le fameux truc là, le réfectoire. Il y a ici, on voit une porte. Ah! J'avais pas vu. Il y a une porte sûrement dans la cour. Et on voit sur une colonne un point d'interrogation. Je sais pas si vous voyez bien. Ça, j'ai pas vu. Et là, on a quelque chose. Ça ressemble à deux mains jointes, hein, qui prient. Et on voit un puits. Je pense que c'est le puits à côté. Donc, je sais pas. Prendre pierre 3.
Non, ça ne donne rien. Appuyer. Pierre 3. Non. Non, ça ne donne rien. Je pense qu'on n'a pas l'indice, hein, ça. Je pense, hein. Moi, je pense qu'on n'a pas encore tous les indices de ça. Par contre, le 0, j'ai l'impression que le 0, c'est le symbole qu'il y a dans l'église. Qu'on a trouvé sur le mur. Je sais pas. Ça y ressemble. Bon, je vais au sud. De toute façon, je pense que là. Pas utiliser le pilon. Non, ça ne donne rien. Bon, on avance pas mal quand même. Bon, là, faut pas aller dans la salle en haut. Sud. Couloir, il y a une cellule à l'est. Donc là, il n'y a rien dans la cellule. Je vais aller au sud. Donc là, il y a ma cellule. À l'ouest. Et à la sortie vers la cour au nord. Donc je vais aller au nord. Je suis sûr qu'au nord, on a loupé quelque chose. Non, flacon, il veut pas. Tu te débrouilles super bien, je suis étonné. Bah, je te remercie, Eric, mais... Et il y a le chat qui m'aide aussi, quand même. Je ne suis pas tout seul. Mais j'aime bien ce genre de jeu. Il y a peut-être moyen que la prochaine fois on y arrive. Hein. Là, je te cache pas qu'il est 11h20. Bon, je commence un peu à avoir les yeux qui tombent. J'ai eu une grosse journée aussi. Non, je ne suis pas dopé du tout. Non, au contraire, je suis shooté là. Mais on est plusieurs cerveaux quand même, donc ça aide. Mais évidemment, ceux sur le chat sont beaucoup plus lucides, la lucidité. Je me suis dopé à la piste de bouc. Je sais pas, là, à peu près, Eric, tu peux... J'en suis à peu près à combien du jeu? J'ai pas tout fait, là. Enfin, j'ai pas tout fait. Évidemment que j'ai pas tout fait. Mais, je sais pas, j'ai... Je suis quoi, au quart du jeu? J'ai fait quoi, un quart? Si tu... À peu près, s'il y a une estimation comme ça. Parce que bon, il me reste encore pas mal de choses à... Si je regarde la carte. Je vais regarder la carte. On a été dans les cellules, ouais. Ah mais je suis pas allé dans le dortoir encore. Si, si, on est très lucide. L'église, on l'a faite. La bibliothèque, on l'a faite. Oh là, on a quand même fait pas, même pas mal de choses, quand même. Le cimetière aussi, ouais. Ouais, ouais. Si, si, les dortoirs, ce sont les cellules. Ah d'accord, ok. D'accord, donc j'y suis allé, en fait. La chapelle, ok. La bibliothèque, ok. Cimetière, ok. Il manque le réfectoire. Non, le réfectoire, c'est un piège à con. Il y a le pilon. Oh, tu n'as pas fait un quart, tu as fait des quarts. Oh là 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 là, je me marre. Le réfectoire, je sais pas, à part le pilon, il y a un truc en tout cas. La cour, on n'a pas fini, là, il y a une colonne. Il faut examiner les colonnes. Alors, je pense que... Il faut trouver ça. Il faut trouver cette vue-là. Je crois que je l'ai vue. Disons que tu oublies pas mal de choses dans les lieux visités. Oui, oui, je pense. Je pense, de toute façon.
Alors, on va aller. Alors, examiner colonne, je l'ai fait, non? Examiner pilier. Non, ça ne me donne rien. Bon, voilà, on va avancer. De toute façon, on va se faire encore un petit peu, puis après, on va arrêter. Un puits. Donc, pareil, le puits, machin, blablabla. Le puits, il n'y a rien, je pense. Ah si, le saut! Je suis con. Le saut, le saut, le saut. Le saut, le saut, le saut. Est. On a un saut. On a un saut. Utilisez saut. Parce que là, ils disent qu'il y a de l'eau, je crois. Ça ne donne rien. Oui, puis comme ça. Mais en termes de nombre de screens découverts, tu as dû trouver une bonne majorité. Ok, Eric. Remplir seau. Oui, c'est pas mal ça, remplir seau. Non. Il a plu ces derniers jours. J'ai du mal à utiliser. Utiliser saut. Puis. Non, ça ne donne rien. Il y a un truc à faire avec le saut, c'est pas possible. La pluie. Ramasser. Pluie. Saut. Non. Vider le puits. Vider le puits. Vider le puits. Avec le saut. Non. Corde. Non, ça ne donne rien. Saut et corde combinés. Saut et puits. Élément manquant. Corde? Faut que je pique la corde? Combiné. Saut. Corde. Puits. Non. Issue, voilà, issue c'est pour reprendre les issues. Sud, ouest, est. Je sais pas s'il y a quelque chose à faire ici. Prier? Je sais pas, moi il y a un truc. Ils disent que. Ils disent quand même que ce puits est sans conteste. Il a plu ces derniers jours et Dieu vit dans la pluie. Empoisonne le puits avec pièce de fouque. Et tuer tous les moines. Liquider les moines. Je sais pas, j'ai l'impression quand même que c'est un puits ça à côté. Sur la droite de l'image, c'est le puits quand même. Je sais pas. Non, pas d'aide, non! Surtout pas d'aide. Non, non, on va aller à l'ouest. Hein. Tant pis, on n'ira peut-être pas plus loin ce soir. Vous flânez dans la cour avec l'impression d'être observé. Qu'est-ce qu'on pourra lui donner à la nana? Ça. Ça, je suis sûr que c'est ça. Ah mince, ma tuile. Ça, je suis sûr que c'est ça. Quasiment. Quasiment sûr. On va regarder, examiner colonne. Ah!
Ce n'est pas du marbre, mais bien une... Mais une bien belle pierre, cependant. Tiens, qui s'est amusé à graver ce symbole ici? Vous voyez, il y a des symboles. Donc il faut trouver des symboles qui correspondent au mur dans, dans la cellule de l'herboriste. Donc, par contre, je vois pas le... Il y a un truc. Donc, j'ai trouvé ça. Donc, ça, ok. Donc, ça fait déjà 4 tuiles. Par contre, il y avait je sais pas combien d'indices hein, dans la truc. Mais alors, je vois pas... J'arrive pas... Ah, puis là, 11h30... Il faut peut-être découvrir tous les indices. Tous les indices, tous les symboles en tout cas. Examiner symboles. Ça ne donne rien. Bon. Allez. On continue. Flâner dans la cour. Ah oui, alors là, ça, la cour, c'est... Le symbole, c'est une espèce de triangle, comme ça. Un triangle avec une barre en dessous. Tiens, on va aller voir, on va aller demander au moine. Et on ira sonner les cloches après. Vous progressez dans la bibliothèque. Parlez, moine. D'accord. Montrer manuscrit. Non, ça ne donne rien. On va voir, invente. Échelle, manuscrit grec, saut, pilon. Montrer manuscrit grec. Non, ça ne donne rien. Tu as déjà beaucoup avancé. Donner pilon, il a faim. Mais non, qu'est-ce qu'il ferait d'un pilon? Save, oui, t'as raison, save. Save. Alors, Athanor. Moi, je vais marquer deux symboles. Hein. Parce qu'on a quand même trouvé deux symboles. Hein. Alors. Donc c'est pas là, c'est pas lui. Lui s'en fout de mon manuscrit. C'est peut-être pas montré, hein. Donner ? Ah, peut-être donner. Je voulais sonner les cloches, moi. Puis après, je pense qu'on arrêtera là. C'est pas mal. Donner manuscrit. Non, ça ne fait rien. Donner pilon, mais pas, pas donner pilon, on s'en fout lui. Donner pilon, non, on s'en fout. Non, mais au sud. Il t'a donné son nom, le moine. Non. Si, non. Ah si! C'est le gourmand! C'est le gourmand, lui, parce qu'il dit la pitance, il a toujours la dalle. C'est le gourmand! Là, je crois qu'il va en parler, hein. Demandez le nom du moine. Non, non, mais il le fera pas. Non, non. Oui, oui, je sais plus, je crois qu'il... C'est qui est gourmand? C'est Ernesto qui est gourmand.
sais plus. Comme bizarre qu'il n'y ait rien à faire avec lui, quoi. Remigio, c'est l'herboriste. Donc c'est le gourmand. Mais qu'est-ce que. Du coup, bah oui, mais quoi? Et quoi? Je marque quoi? Gourmand? Gourmand! Je sais pas. On va juste aller sonner les cloches, puis après on va arrêter. Parce que là, je commence à être fatigué, donc. On aura déjà pas mal avancé quand même. Retenez bien tout. On se le refera dans 15 jours. Alors j'aimerais bien aller au nord, aller à l'église. On va sonner les cloches. Aller dans la cour avec l'impression d'être observé. Donner pain, mais j'ai pas de pain. Je peux aller au nord là? Déjà avec quelques plantes, non. Alors, le flacon de trucs, non, non, non. Voilà, donc là on va y aller. C'était à l'ouest. On sonne les cloches et hop. Mais on va rameuter tout le monde. Ah merde, c'était où? Ben c'était là. Nord. Ouest. Ah, ok. Donc on ne peut pas comprendre. Non, mince. Nord. 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 Tout le temps au nord. Ok. Donc est. Mais est, je crois qu'il n'y a rien. J'aimerais bien sonner les cloches. Faut absolument faire une carte, hein. Je pense que je m'attellerai à faire la carte avant les 15 jours. Histoire d'aller plus vite. Ça, c'est ma mission. Voilà, je pense que je vais faire ça. Pour dans 2 semaines, je ferai une carte du. Une carte assez précise. Voilà, c'est là. Là, on peut aller est-ouest, je crois. C'est ça. Ouest. Là, il y a les cloches. C'est ça. Je ferai une carte. Promis. On sauve! Et ce sera notre dernière action à Tanor. Les cloches. Donc sonnez cloche. Ding dong. Ah, c'est tout. Donc ça va. On me. Ça va. Elle va prendre corde. Examiner corde. Ça ne donne rien. Prendre corde. Je leur prends la corde. Ça ne donne rien. On ressonne les cloches. Ding dong. Bon. Ben, je finis en beauté. Je tire la corde. Et ça fait ding dong. Je ne sais pas si après les moines vont se pointer à l'office ou pas. Nous le saurons. Eh bien. Dans 15 jours, on va sauvegarder, même si on a déjà sauvegardé encore une fois, nous allons sauvegarder cloche, enregistrer, et voilà. Donc je suis désolé, mais là je suis fatigué et j'ai envie d'aller au lit. Alors on a toujours la musique de l'angoisse.